Maïté Denusière a été victime d'une tentative de viol alors qu'elle se trouvait à la hauteur du pavillon de Bernard Briançon, qui n'a rien fait pour l'aider. Bernard Briançon prétend, quant à lui, qu'il était absent de son domicile ce soir-là. Il est poursuivi par le procureur de la République pour non-assistance à personne en danger. Bernard Briançon a choisi pour avocat maître Julien D'Artimon, tandis que Maïté Denusière est représentée par maître Jacques de Chaumont. Mesdames et messieurs, le tribunal appelle l'affaire Briançon-Denusière. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'appelle monsieur Briançon. Approchez s'il vous plaît, monsieur. Vous appelez donc Bernard Briançon, vous avez 44 ans et vous êtes divorcé. C'est ça, oui. Vous habitez dans un pavillon situé rue Jean Mermoz à Vitry-sur-Seine et vous exercez la profession d'employé de banque. Bien, dans la nuit du 12 juillet 1989, alors qu'elle rentrait à pied de la gare de Vitry, madame Denusière a été agressée juste devant votre domicile. Malgré ses appels au secours, vous n'êtes pas intervenu. Vous êtes par conséquent cité devant ce tribunal pour non-assistance à personne en danger. Et en vertu de l'article 63, alinéa 2 du Code pénal, vous êtes passible d'une peine de 3 mois à 5 ans de prison et d'une amende de 360 à 20 000 francs. Au nom de ma cliente, je réclamerai 50 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Monsieur Briançon, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non. Comment non? J'ai failli me faire tuer sous ses yeux, il a même pas levé le petit doigt. Oh, n'exagérez pas, madame Denusière, vous n'avez pas failli vous faire tuer. J'ai failli me faire violer, c'est encore pire. Madame Denusière, je vous en prie, s'il vous plaît. Pardon. Au cours de l'instruction, il a été formellement démontré qu'aux alentours de minuit, c'est-à-dire au moment où se sont déroulés les faits, vous étiez chez vous. J'étais chez moi, oui, mais je n'ai rien entendu du tout. Mais toutes ces fenêtres étaient ouvertes, il n'a pas pu ne pas m'entendre. Êtes-vous sourd, monsieur Briançon? Non. Alors, vous n'avez vraiment aucune excuse. Ah, je vous en prie. Monsieur le Président, mon client n'a pas pu entendre ce qui se passait devant chez lui, car au moment de l'agression vers minuit un quart, il était dans son jardin, derrière son pavillon. Il était derrière ses carreaux, il n'était pas derrière son pavillon. Je l'ai vu de mes yeux vus. Eh bien, vous allez quand même pas écouter ce qu'il vous raconte. Madame Denusière, vous parlerez quand je vous interrogerai, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bien. Monsieur Briançon, au cours de l'instruction, vous avez effectivement affirmé, je vous cite, qu'au moment des faits, vous preniez l'air dans votre jardin. C'est exact. J'aimerais que vous nous précisiez un peu ce point. À quelle heure étiez-vous dans votre jardin? Et pour quelle raison? Ça m'arrive souvent de sortir la nuit pour admirer les étoiles. Pour admirer les étoiles, vraiment? Oui, ou pour arroser les fleurs de mon jardin. Vous mentez, monsieur Briançon. La nuit du 12 juillet 1989, vous n'étiez pas dans votre jardin. Je proteste. Mon confrère terrorise le prévenu. La nuit du 12 juillet 1989, il n'y avait pas plus d'étoiles à admirer qu'il n'y avait de plantes à arroser, car il pleuvait à verse sur toute la région parisienne. J'ai ici, le rapport de la météo qui en atteste. Bon sang, mais c'est bien sûr. Monsieur le Président, cette argumentation est absolument ridicule. Depuis quand la météorologie est-elle une science exacte? Qui vous permet d'affirmer qu'il pleuvait précisément à Vitry? Madame Denusière, pouvez-vous éclairer le tribunal sur ce point? Vous souvenez-vous du temps qu'il faisait au moment des faits? Eh bien, ma fille m'avait prêté un parapluie parce que précisément ça menaçait de tomber. Il a dû pleuvoir 2-3 gouttes. Ah, 2-3 gouttes. Voilà la tornade dont nous parlait mon confrère. Monsieur le Président, mon client était dans son jardin cette nuit-là parce qu'il avait envie d'y être. Un point, c'est tout. Oui. Monsieur Briançon, après son agression, madame Denusière a sonné à votre porte. Comment se fait-il que vous ne lui ayez pas ouvert? Ben, n'allez pas nous dire là aussi que vous n'avez rien entendu. Tout le monde sait que la sonnerie de votre porte est audible de votre jardin. J'ai cru que c'était un plaisantin. Ah oui? Quel genre de plaisantin? Je ne sais pas, un enfant? Ah oui, parce que vous croyez qu'il y a beaucoup d'enfants qui la nuit s'amusent à sonner aux portes. Oui, mais vous n'êtes pas allé voir. Non. Monsieur Briançon, il est vraiment très difficile de vous croire. Vous nous dites d'abord que vous avez passé une partie de la nuit dans votre jardin, mais pour y faire quoi? On se le demande. C'est un mystère. Ensuite, vous nous soutenez que vous n'avez pas entendu les cris de madame Denusière, qui semble pourtant dotée d'un organe remarquable. Et pour finir, vous n'avez pas la curiosité de savoir qui sonne à votre porte. Enfin, tout cela est un peu dur à avaler. Les soupçons qui pèsent sur mon client ne reposent que sur une chose.
On refuse de croire qu'il a goûté la fraîcheur nocturne de son jardin, comme si c'était une chose extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, mon cher confrère, c'est que ma cliente a vu M. Briançon dans son pavillon, dont je rappelle que toutes les pièces donnent sur la rue. M. Briançon, encore une fois, je vous le demande, solennellement, étiez-vous dans votre jardin au moment où Mme Denusière s'est fait agresser? Oui. Bien, je vous remercie, vous pouvez regagner votre place. Madame Denusière, voulez-vous venir à la barre, je vous prie? Madame Denusière, vous vous appelez donc Maïté Denusière, vous avez 43 ans, vous êtes sage-femme et vous habitez à Lignan-du-Vent, près de Béziers. Oui, monsieur le président, et je vais vous dire une chose, je suis bien contente d'y retourner. Vous êtes mariée et vous avez deux filles. Je crois d'ailleurs que c'est pour rendre visite à l'une d'elles que vous êtes montée à Paris. C'est exact. C'est exact. Je suis montée dans cette ville de fous pour aller voir ma fille Jacqueline, qui venait d'avoir un bébé. Et c'est mon premier petit-fils. Oui. Et votre fille habite donc à Vitry-sur-Seine, avenue du Général de Gaulle, à environ 5 minutes à pied du domicile de M. Briançon, rue Jean Mermoz. C'est exact, oui, sauf qu'elle n'a pas la chance, la pauvre, d'habiter dans un pavillon. On me l'a collée dans une cage à lapin, dans un grand ensemble, comme ils disent. Je me demande bien pourquoi ils appellent ça des ensembles, d'ailleurs. Parce que, les gens, ils sont pas ensemble. Hein. Ils sont séparés, chacun dans leur coin. Votre remarque ne manque pas de pertinence, Madame Denusière. Bien, la nuit du 12 juillet, vous vous dirigiez vers le domicile de votre fille vers minuit. Mais oui, j'étais allée dîner à Paris avec une vieille copine. Et puis j'avais pris le dernier train. Il ne pleuvait donc pas? Ah si, je vous l'ai dit, il tombait deux, trois gouttes, quoi. Et quand avez-vous remarqué que vous étiez suivi? Oh, ben au bout de 500 mètres, j'ai senti une présence dans mon dos. Vous savez, quand on est une femme, on sent ces choses-là et on n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'on est suivi. Ouais. Et qu'avez-vous fait? Mais rien, j'ai rien fait, rien. Je me suis dit, Maïté, surtout, ne te retourne pas, marche normalement, hein, ne cours pas. Vous savez, les hommes, c'est comme les chiens, c'est l'odeur de la peur qui les rend fous. Et vous étiez seul à ce moment-là? Il n'y avait pas de passants, pas de policiers? Personne. Il n'y avait personne. Vous savez bien que quand on a besoin des gens, il n'y a jamais personne. C'est hélas trop souvent vrai. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur le procureur. Avant de se faire assaillir, ma cliente a croisé un taxi qui a refusé de la charger. Oui, parfaitement, oui. Ouais, soi-disant qu'il rentre chez lui et que j'allais pas dans la bonne direction. Non, mais vous vous rendez compte? Je lui ai dit, hein. Je lui ai dit que j'étais peut-être en danger, que j'étais suivi. C'est ce qu'il m'a répondu. Ça n'est pas mon problème. Il m'a dit. Il m'a dit pire, mais je ne vous dirai pas. Enfin bon, il m'a laissé comme ça, toute seule, sur le trottoir, aussi sec, il est parti. Monsieur le Président, vous serez frappé comme moi par l'indifférence et la lâcheté de ce chauffeur de taxi. En effet, oui. Madame Denusière, l'homme qui vous suivait vous a donc rattrapé devant le pavillon de Monsieur Briançon. Oui, voilà, un vrai malade. Il s'est jeté sur moi en me traitant de chienne. De chienne, moi, une chienne. Il avait... Ouf. Il était terrible, c'était terrible. Il avait sa braguette ouverte, avec tout son fourbi dehors. Ouais. Oui, j'ai eu la peur de ma vie. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes mise à crier, au secours, à l'aide, etc., etc. Non, j'ai pas crié, etc., etc. silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Denusière, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vos cris ont été entendus? Mais je vous l'ai dit, toutes ces fenêtres étaient ouvertes, il était derrière ces carreaux. Je vais vous dire, quand je gueule, ça s'entend. Ça, je vous crois sur parole, madame. Monsieur le Président, puis-je poser une question à la victime? Uniquement si elle a un rapport direct avec notre affaire. Mais elle a, monsieur le Président, elle a. Madame Denusière, pourriez-vous nous décrire précisément l'homme qui vous a agressé? Si je peux le décrire, eh bien dites. Mm-hmm. Il n'y a pas de danger que je l'oublie, t'es celui-là. Mmh, comment était-il? Grand, petit, brun, blond, monsieur? Il était brun, oui. Il était grand, mmh. Il avait des sourcils noirs, mmh. Et des yeux de malade, exorbités, qui lui sortaient de la tête. Il était effrayant, vous ne pouvez pas savoir. Mmh. Mais si je peux, madame Denusière, je peux. Il se trouve que votre agresseur a été arrêté il y a une semaine après une série d'attentats à la pudeur. Permettez-moi, monsieur le président, de vous en lire la description. Alors, le prévenu mesure 1m64. Il a les cheveux châtains et il boite de la jambe gauche. C'est un malade, exhibitionniste, certes, mais considéré comme inoffensif. Je proteste! Est-ce là, madame Denusière, l'effrayant personnage qui vous a sauvagement agressé?
Bon, bon d'accord, bon, sous l'effet de la peur, j'ai vu plus grand qu'il était. Bon, on va pas entamer une polémique sur sa taille, hein, ça change rien. Oui, peut-être avez-vous crié un peu moins fort que ce que vous avez prétendu, et peut-être est-ce pour cela que mon client ne vous a pas entendu. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ah, je dis pas que vous avez menti, madame Denusière. Seulement que vous avez exagéré. Oui, ma cliente a un peu grossi, la vérité, c'est vrai, mais a-t-il besoin de mesurer 1m85 pour être effrayant? L'agresseur de Maïté Denusière a bel et bien été arrêté pour attentat à la pudeur. Pouvez-vous comprendre, maître d'Artimon, la terreur qui peut saisir une femme seule la nuit alors qu'elle est suivie par un être manifestement déséquilibré. Et manifestement infirme et chétif. Quelle que soit sa taille, un homme représente toujours un danger pour une femme seule. Surtout lorsqu'il a la braguette ouverte. Oui. Madame Denusière, lorsque vous avez mis en fuite votre agresseur à coups de parapluie, je crois, un parapluie que vous avez sans doute prêté à votre fille, vous êtes allée sonner à la porte de Monsieur Briançon. Ben oui, j'avais peur. Je voulais téléphoner à ma fille pour lui demander de venir me chercher. Et j'ai sonné pendant au moins 5 minutes. 5 minutes? Vraiment? Oui, bon, d'accord, bon, disons 1 minute. Hein. Ben, ça n'enlève rien au fait qu'il ne m'a pas ouvert, hein, ce lâche. J'aurais pu être blessée, perdre mon sang sur le trottoir, il m'aurait laissé crever la gueule ouverte. Mais vous n'êtes pas morte, madame Denusière. Loin de là. Bah, et alors, il aurait fallu que je meure pour avoir enfin le droit de porter plainte? Peu importe la profondeur de l'eau, si quelqu'un se noie ou appelle au secours, maître d'Artimon. C'est vrai, c'est absolument, monsieur le président. Parce que même s'il m'est rien arrivé de dramatique à moi, moi, je pense à tous ces gens qui se font agresser tout le temps, hein, à ces pauvres filles qui se font violer, sans que jamais personne ne lève le petit doigt. Dans une certaine mesure, l'absence de solidarité humaine peut devenir criminelle. Des questions, maître? Je vous remercie, madame Denusière, vous pouvez regagner votre place. Huissier, faites appeler le premier témoin, je vous prie. Le tribunal appelle à la barre mademoiselle Agostini, citée par monsieur Briançon. Approchez, mademoiselle. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession, je vous prie. Florence Agostini. J'ai 37 ans et je travaille dans la même banque que monsieur Briançon. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Je vous écoute, mademoiselle. Eh bien, voilà. Je suis venue témoigner pour vous dire que Bernard ne peut pas avoir fait ce dont on l'accuse. Ah, mais qu'est-ce qui vous permet d'être aussi formelle, mademoiselle? Le soir du 12 juillet, Bernard n'était pas chez lui. Il était avec moi au cinéma. Tiens donc! Et c'est maintenant que vous nous dites ça. Mais je vous assure que c'est vrai, je peux même vous dire le titre. C'était Le Grand Bleu. Oui, enfin, ça ne prouve rien. N'importe qui peut trouver le titre d'un film dans un programme. Alors là, mademoiselle Agostini, je ne comprends plus rien. Votre nom n'a jamais été mentionné dans le dossier d'instruction. Vous devez bien vous rendre compte que s'il est vérifié, votre témoignage devient capital. Mais je sais, mais c'est Bernard qui m'avait demandé de me taire. Et pourquoi donc? Mais peut-être le prévenu a-t-il eu la délicatesse de dissuader mademoiselle Agostini de faire un faux témoignage. Je dis la vérité. S'il vous plaît, laissez-la tranquille. Monsieur Briançon, étiez-vous oui ou non au cinéma avec mademoiselle Agostini le soir du 12 juillet? Non, j'étais chez moi. Mais pourquoi tu dis ça? Mademoiselle Agostini, je vous rappelle que vous avez prêté serment. Monsieur le Président, il y a forcément quelqu'un qui ment dans cette affaire. Ah, c'est mon avis. Allez prendre place dans la salle, mademoiselle Agostini, je n'en ai probablement pas terminé avec vous. Huissier, faites appeler le second témoin, je vous prie. Nous appelons à présent madame Cantor, citée par madame Denusière. Approchez, madame, s'il vous plaît. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession. Marie-Claude Cantor, 42 ans, professeur d'histoire-géographie. Quelle est votre situation de famille? Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites, je jure. Le tribunal vous écoute, madame. Bien. D'abord, il faut que je vous dise que j'habite juste derrière monsieur Briançon. Nos deux jardins se touchent, si vous voulez. Votre domicile se situe dans une rue parallèle à la rue Jean-Mermoz? Oui. Là où j'habite, je ne pouvais pas entendre les appels au secours de madame Denusière, sinon il est évident que je serais intervenue. Mais vous avez vu ou entendu autre chose? Vu, non, mais entendu, oui. D'habitude, monsieur Briançon est un voisin plutôt calme, mais depuis début juillet, il s'est mis à faire de la musique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et si je comprends bien, vous avez entendu cette musique dans la nuit du 12 juillet? Oui. Qu'est-ce que c'est? Silence, s'il vous plaît. Monsieur, silence. Poursuivez, madame.
Ah, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Vers minuit, j'ai téléphoné à M. Briançon pour lui dire que s'il n'arrêtait pas immédiatement sa musique, j'appellerai la police. Vous avez donc eu M. Briançon au téléphone? Oui, et j'ai d'ailleurs découvert à cette occasion qu'il n'était pas aimable du tout, mais du tout. M. Briançon, comment se fait-il que vous ayez entendu la sonnerie de votre téléphone et pas celle de votre porte d'entrée? Oui, une chose est sûre, vous étiez chez vous, pas au cinéma. Comme l'a prétendu Mademoiselle Agostini, votre témoin providentiel. Monsieur le Président, depuis le début de cette audience, nous nous sommes laissés mener en bateau comme des enfants. Que voulez-vous dire, Maître D'Artimon? La vérité. Ou encore une de ces manœuvres de diversion dont vous avez le secret, mon cher confrère. Monsieur le Président, je vous conjure d'entendre ce jeune homme. Oui, qui êtes-vous, monsieur? Pauvre imbécile, qu'est-ce que tu fais là? Je suis le frère de Bernard Briançon. Ah. Avez-vous quelque chose à dire sur l'affaire qui nous concerne aujourd'hui? Oui. Bien, je vous entendrai à titre informatif. Veuillez vous avancer, Madame Cantor, je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Avancez-vous à la barre, s'il vous plaît, et déclinez vos noms, prénoms, âge, profession. Jacques Briançon, j'ai 25 ans, je suis chômeur. Le prévenu est donc votre frère? Oui, je suis le petit dernier. Bien, et pourquoi venir interrompre cette audience, monsieur? J'ai pas eu le courage de me taire. C'est malin. Eh bien, expliquez-vous, jeune homme. Après la mort de notre père, on s'est un peu perdu de vue, mon frère et moi. Je trouvais un peu triste, ringard. Enfin, j'étais sûr qu'on pouvait pas se comprendre, quoi. Mais en quoi cela peut-il intéresser le tribunal? Il y a quelques mois, j'ai fait des bêtises. Ah oui? Quel genre de bêtises? J'ai braqué des voitures, et du matériel IFI. Enfin bref, je me suis retrouvé avec les flics au cul. Surveillez votre langage, jeune homme, je vous prie. Oui, et poursuivez. Comme je me suis dit que les flics iraient directement me chercher chez ma mère, je suis allé me planquer chez mon frère. Et je dois dire qu'il a été vraiment très cool. Il m'a ouvert sa porte sans me poser de questions. J'en connais pas beaucoup qui auraient fait ça. Et quand êtes-vous venu vous planquer chez votre frère? En juillet dernier. C'est donc vous qui étiez là au moment où Madame de Nuzière a été attaquée? Oui. Ah, je suis pas folle, je savais bien qu'il y avait quelqu'un derrière les carreaux. Et votre frère n'était pas là? Non, il était au cinéma. Mon client a menti pour protéger son frère. Monsieur Briançon, si ce jeune homme n'était pas votre frère, vous seriez rendu coupable de recel de malfaiteur. Mais même si monsieur Bernard Briançon n'est pas coupable, il y a bien eu non-assistance à personne en danger. Avez-vous entendu les appels au secours de madame de Nuzière? Oui. Alors pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? J'ai eu peur qu'elle me demande de prévenir les flics. Quand elle a porté plainte, je savais pas quoi faire. C'est mon frère qui m'a proposé de tout prendre sur lui et d'essayer de faire croire qu'il était resté dans le jardin. Alors qu'est-ce que je dois faire, moi, dans tout ça? Il faut que je reporte plainte? C'est votre droit le plus strict, madame de Nuzière. Et qu'est-ce qui vous a décidé à parler aujourd'hui, monsieur? Mon frère a été plus que correct avec moi. Et s'il avait été condamné, j'aurais plus jamais pu me regarder dans une glace, quoi. Bien. Asseyez-vous, monsieur. Maître de Chaumont, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Les faits sont maintenant totalement clairs. Ma cliente s'est fait agresser à quelques mètres d'un jeune homme vigoureux qui n'a absolument rien fait pour la défendre, malgré ses cris et ses appels au secours. Quels qu'en soient les motifs, cette lâcheté est inqualifiable. Sans son courage et son énergie, ma cliente aurait pu sérieusement être mise à mal. Les journaux sont pleins de faits divers écœurants où l'on voit des femmes se faire violer sous les yeux d'un public indifférent. Ça ne peut plus durer. Bien entendu, je ne réclamerai aucun dommage et intérêt à Bernard Briançon, mais pour que ma cliente obtienne une juste réparation, je lui conseillerais de se retourner contre le frère le plus vite possible. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie, maître de Chaumont. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Une fois n'est pas coutume, et ce n'est pas tous les jours, monsieur le président, qu'un voyou vient se rendre à la justice en pleine audience. Alors, compte tenu de ce retournement de situation provoqué par le témoignage tardif de monsieur Jacques Briançon, je ne peux évidemment pas requérir contre monsieur Bernard Briançon pour le motif de non-assistance à personne en danger. Je lui rappelle cependant que le parquet se réserve le droit de le poursuivre pour outrage à magistrat.
On ne ment pas impunément à la justice. Pour le reste, je m'en remets à la sagesse du tribunal. Quant à Jacques Briançon, puisqu'il est poursuivi pour vol, nous ferons le nécessaire pour qu'il en réponde. Et je rappelle simplement que le parquet se réserve la possibilité d'ouvrir une procédure contre lui pour non-assistance à personne en danger. Je vous remercie, monsieur le procureur. Maître D'Artimon, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Ma plaidoirie sera très brève. L'idée qu'on puisse ne pas secourir une femme ou un homme en danger me fait particulièrement horreur. Depuis le début de cette affaire, j'avais la conviction absolue que mon client était innocent. Nous savons maintenant pourquoi et avec quel héroïsme il a menti pour protéger son frère. Vous ne vous étonnerez donc pas que je vous demande ce relax pur et simple. Quant à monsieur Jacques Briançon, je ne suis pas son avocat, mais j'espère que le parquet fera preuve d'indulgence et que madame Denusière ne portera pas plainte. Même s'il a pu faire preuve de lâcheté dans le passé, n'oublions pas que sa présence ici est un superbe acte de courage. Je vous remercie, maître. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Bernard Briançon a été innocenté au cours de cette audience. Mais son frère, Jacques, qui était déjà poursuivi pour vol, devra aussi répondre de sa lâcheté devant la justice si Maïté Denusière décide de porter plainte contre lui. Écoutons la décision du juge Garonne. Mesdames et messieurs du tribunal, dans l'affaire Briançon-Denusière, le tribunal rend sa décision. Compte tenu du fait que l'innocence de M. Bernard Briançon a été prouvée, le tribunal le relaxe purement et simplement. Gendarme, faites votre office, s'il vous plaît. Jeune homme, en venant dire la vérité à ce tribunal, vous avez écouté davantage votre courage que votre peur, mais hélas, c'est votre peur que vous avez écouté lorsque Mme Denusière s'est fait violenter sous vos yeux. La justice risque d'avoir peu d'indulgence à votre égard. L'audience est levée.